Et voilà j'avance jour 2 pour mes amortisseurs arrière de Clio de Cup X65 et x 3 cup x85 celles si sont les mêmes mais bon moi c'est pour monter sur ma petite pistarde de mini cup j'ai donc reçu les rotules du bas et voilà je les ai montées comme vous avez vu sur les photos avant et puis euh, il me manque donc ces fameuses entretoises que je vais recevoir que j'ai acheté d'occasion à un pratiquant de Kyoto de Cup belge, merci à lui. Donc je devrais le recevoir dans le courant de la semaine prochaine. Par contre, il y a un problème avec ma barre anti-roulis. Maintenant que je les ai reçus, je confirme. Je vous en parlerai un peu à la fin de cette vidéo. Parce que dans l'immédiat, j'ai tout préparé, tout graissé comme vous avez vu. Je l'ai pré-monté hein, pour la semaine prochaine. J'enlèverai je, les autres qu'au dernier moment. Hein, je l'ai juste calé. Par contre, j'ai placé ma voiture donc, pour prendre les mesures parfaites parce que je veux retrouver vraiment la même assiette. Hein, exactement la même assiette euh, au niveau hauteur de caisse donc euh, arrière donc vous voyez j'ai fait de chaque côté des marquages qui correspondent au milieu de la roue bon naturellement je là maintenant je sais qu'elles sont bien écrasées puisque j'ai roulé avec et tout euh, je suis rentré de la remorque à ici hein, donc ce sera la bonne hauteur je vais pas monter les roues euh, si que hein, je les fais avec les roues pluie et les roues sur la remorque donc j'ai marqué le milieu de la roue. Pareil de l'autre côté, hein, j'ai fait à l'identique. J'ai même marqué avec un marqueur, vous voyez, euh, en mettant le, le, le feutre. C'est vraiment là, le, le ras entre l'aile et la, le pneu. Et naturellement, j'ai pris des mesures. Alors, j'ai pris des mesures donc du, du milieu, toujours, hein, du pneu jusqu'au sol, ici. J'ai pris la mesure ici, en dessous. Ça ne se voit pas du bas de la juste râle, hein. du bas jusqu'au sol. Et puis la mesure qu'on me trouve sur la RTR des cups, euh, depuis euh, le... la vis, mais moi le bas de la vis de la rondelle, je prends plus, ça revient au même, hein, de... du train, hein, d'accroche du train, là, donc qui est rotulé, hein, rigide, moi aussi, comme la cup, jusqu'au sol. Et puis je suis content parce que ça prouve que c'est bien fait, puisque ce sont exactement les mêmes mesures de chaque côté, à droite et à gauche. Donc vous les voyez là, hein, pour vous donner une idée de la hauteur de caisse. Hein. Il y a 545 mm dont 54,5 du euh, bas de l'aile au sol. Ici, là donc euh, où je la prends, il y a 154,15 cm. Et au niveau de, euh, de, de l'axe du train hein, qui est rotulé. Alors moi j'ai pas pris le milieu de la roue, j'ai pris en bas de la rondelle hein, au sol. Il y a 195. Vous voyez, c'est pareil droite et gauche. Ça me permettra de remettre exactement la même hauteur. Et c'est là où j'ai une idée. Donc, vous voyez, j'ai plein de cartons vides que je garde pour le prochain déménagement, c'est on jamais. Et donc, je me suis mis en tête d'aussi marquer la hauteur euh, au niveau de l'aile, là, euh, avec un carton. Et puis, chance, je me suis dit, mais pourquoi je ne trouverais pas, vu le nombre de cartons que j'ai, un qui est la hauteur qu'il faut. Et chance, le voilà. J'ai ce carton, vous allez voir. En fait, je m'embête avec toutes ces mesures. Bon, j'en ferai attention, mais la hauteur, elle est toute simple. Hein. Vous voyez, je la mets vraiment en ras de d'ici là et c'est le carton exactement en hauteur hop voilà parce qu'il n'y a même pas un millimètre de chaque côté donc la hauteur derrière voilà il faudra que je descende jusqu'à ras de ce carton à un millimètre près quand même pas même pas et c'est pareil de l'autre côté naturellement donc ce carton je vais le mettre de côté parce qu'il me servira hein. vous voyez que de l'autre côté c'est pareil donc je le mets à ras hop et voilà hop, il rentre parfaitement, c'est la hauteur de ce carton, <laughs> ben c'est parfait, ce carton, je le garde, je... hop, il vient là, je le laisse là, il me servira donc à prendre la hauteur de caisse. Alors, pour finir cette journée 2, je reviens au problème, parce que moi, j'y tiens, hein, j'ai quand même vu, comme je vous ai dit, autant hors de piste, je déconseille finalement d'avoir une barre anti-roulis comme la Whiteline que j'ai montée autant sur la piste, quand même, j'y vois du bien, j'ai envie de la conserver. Et comme je le pensais maintenant que j'ai reçu, j'ai pris les mesures ici. D'autant que moi, je ne l'ai pas mis au plus bas. Parce que ça dépendra de la hauteur, à quelle hauteur je visserai l'écrou là. Mais bon, il faut quand même mettre un minimum de pas de vis euh, ici. Hein, quand on visse la rotule là. Je me suis rendu compte en prenant 2 cm et demi. Vous voyez, je mets les rotules. Je vais essayer. J'espère que je serai explicite sur le problème. Donc je mets les rotules droites, ça fait à peu près 2 cm et demi. Donc vous voyez que la rotule droite... Alors attendez, c'est pas évident parce que j'ai mon smartphone, là j'ai pas... Hop, je vais essayer de le faire un peu mieux, voilà. La rotule droite, ça passe à ras, ça passe. Mais, faut pas oublier que là maintenant c'est rotulé. Donc c'est censé aller... Bon j'ai pas la, la bonne vis, hein. j'ai celle-là, mais c'est la même taille, un hein. M12. C'est censé quand même bouger. L'amortisseur jusqu'à ras de ça. Et là, avec le L, ce sera impossible, quoi. Ce sera impossible avec le L d'aller jusqu'à ras là. Donc il va falloir que je mette des rondelles. Chance, je pensais au départ, les rondelles du haut, que je vais pas monter là, mais j'en ai acheté deux autres. Elles vont, c'est exactement là que c'est tout. Sauf que j'avais pas tilté, que je comprends maintenant pourquoi l'entretoise que je vais recevoir, elle est biseautée côté, côté, euh, côté rotule, ici. Elle est biseautée. Parce que dans les faits, vous voyez, quand je pose au maximum, si jamais je le mets au maximum, alors je vais le reprendre. Si vous me suivez, il y a la vis ici. Donc le maximum de la rotule, c'est là, voilà. Sauf que si je mets ces rondelles c'est plus le maximum parce qu'elles sont pas biseautées côté rotule elles vont empêcher d'aller au maximum. Leur maximum à elle elle est moins infé... elle est elle est euh, un peu moins j'ai calculé, vous voyez, je vous le mets, c'est à peu près voilà, c'est à peu près ça. Alors ça sort d'un ou deux millimètres. Peut-être que c'est pas important, dites-le-moi si vous mais c'est pas au maximum possible de la rotule quoi avec ces rondelles. Donc en fait en plus de l'entretoise biseautée d'origine ici, il va me falloir une entretoise de cette largeur, à peu près un peu plus, je demanderai 5 mm, mais biseautée aussi à l'identique côté euh, rotule, pour pouvoir monter la barre anti-roulis. Euh, après, la longueur de la vis, peu m'importe, hein, si elles sont déjà longues par principe au-delà, mais si elles ne sont pas assez longues, ça je trouverai. Moi, le problème, c'est que pour pouvoir monter le L de la, de la barre anti-roulis white line, je vais devoir monter une, une rondelle ou une autre entretoise, toute même de 5 mm, mais qui soit aussi biseautée ici, à l'exemple qui est ici de l'entretoise fournie. Alors, je vais être donc obligé, malgré tout, de faire appel à mon usineur. J'attends de recevoir l'entretoise ici et je vais lui dire voilà, est-ce que vous pouvez me fabriquer la même, en même matière, acier, donc je pense, pour ce côté, mais pas de 2 cm, mais de 5 mm et biseautée aussi. Voilà. Parce que sinon. Je ne pouvais pas monter la white line. Et dans ce cas-là, j'aurais dû aller sur la pure motosport. Et encore, même pas, puisqu'elle se monte aussi là-dessus sur du rotulé. Puisque moi, je vous ai expliqué, même le train, tout est rotulé et rigide comme une cup. Hein. Donc, même, ça aurait été le même problème. Donc, non, si je veux vraiment la monter, je réitère qu'il va me falloir pas une rondelle simple, comme ça, qui aurait suffi, hein, cette rondelle, hein, en, en largeur. Donc, je rappelle que c'est les rondelles qui vont sur le haut, là. Ça aurait été très bien. Mais il faut qu'elle soit biseautée ici, de manière à ne pas gêner l'amplitude totale, hop, qui est là à peu près, de la rotule. Si jamais il y a la rondelle, je ne sais pas si vous le voyez, elle va, qui est un peu plus large, elle va taper. Euh, il faut que ça soit vraiment biseauté pour que la rondelle ne vienne pas taper ici, là, autour. Parce que si c'est plat, ça frapperait autour, avant d'arriver à, à, à la rotation maximale. Et donc il va me falloir en fait exactement la même chose que l'entretoise de 2 cm ici, biseauté. Sauf que là j'espère, c'est tout petit quoi, il faut qu'il m'en fasse une de 5 mm, biseauté. Alors mon usineur est capable de, de fabriquer des moteurs entiers, donc il a tout ce qu'il faut. C'est avec des machines 3D, enfin du truc complexe, pour leur demander s'ils peuvent me fabriquer au modèle que je vais recevoir. Donc là il y aura un modèle pour le biseautage, c'est pratique pour eux. Une petite entretoise ici de 5-6 mm biseautée. Voilà, sinon je devrais me passer de la barre anti-roulis. Donc voilà, euh, un autre problème d'adaptation, ce ne sera pas le premier que j'ai eu dans, dans le montage des pièces euh, rigides comme la cup. Je n'ai pas eu beaucoup, mais là j'en aurai un. Euh, il va falloir que je fasse faire, j'espère mon usineur y arrivera, une entretoise ici, identique à l'autre, donc biseautée de la même façon, côté rotule. Mais pas de 2 cm, mais de 6 mm maximum. Voilà, voilà. Bien sûr, je vous tiendrai au courant. Hein. Euh, dans l'immédiat, quand même, dès que je recevrai l'entretoise, je pourrai le monter. Hein. Donc, ça, je ferai sans doute une, un jour 3 avant euh, d'avoir, euh, même si je n'ai pas encore euh, l'entretoise le, euh, ici euh, plus petite, de 5-6 mm de large. Mais euh, je le monterai et puis euh, je verrai bien comment ça tombe. Et puis j'aimerais être prêt donc, pour la tester le 10 avril vais vous rendre compte et faire un petit retour de ce qu'il en est. Allez, donc à suivre euh, pour euh, la suite, le montage effectif, dès que j'aurai reçu l'entretoise d'origine d'occasion que j'ai trouvé en Belgique, chez, euh, ouais, chez, en Belgique. Et puis euh, j'espère, euh, définitif complet, quand j'aurai la petite entretoise fabriquée ici par mon usineur. Puisqu'elle n'existe pas, euh, qui me permettra de monter sans que ça touche en haut le L de, du support de, sur le pied d'amortisseur de la barre anti-roulis White Line. À bientôt!